Vous avez rien lâché jusqu'au bout, non. Encore. Et ouais. C'est une grosse, grosse satisfaction, j'imagine. Bah, c'est sûr, parce qu'on a une équipe un peu en rodage, on est un peu en solde en ce moment. On perd toutes nos têtes, on perd Majibo, qui est notre arrière-tireuse, on perd Laurent Germani, Sylvia, Thérèse. Donc, l'équipe, elle est pas du tout au complet. Et mine de rien, on fait des jolies choses. Hein. Justement, je pense qu'on s'appuie sur le mental et la solidarité de l'équipe et puis l'amitié qui règne dans ce groupe. Quoi. Parce que franchement, là, le match de ce soir, il était beau. Hein. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais même moi, j'étais spectatrice des fois sur le terrain. C'était joli. Tu as beaucoup contribué à ce spectacle-là. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais tu t'es pas vu jouer, nous on a vu, tu as quelques buts. Là, j'ai fait des trucs que je savais pas faire. Je tire à la hanche, là. Voilà, la première fois de ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait oh, c'est moi qui ai fait ça et tout. Ouais. C'était moi qui ai fait ça, mais bon, je peux rien faire sans mes coéquipières, donc c'est aussi grâce à elles qu'on est une équipe, donc c'est cool. Mais... Franchement, je suis contente de savourer cette victoire ce soir. Okay. On dirait que la Coupe de France est pour nous, hein. Inch'Allah, comme on dit. Mais justement, le fait qu'il y ait moins de monde, tu as plus de responsabilités que tu assumes, on dirait, hein, que tu assumes encore mieux. Je me mets là où le coach veut que je me mette. Après, moi j'ai toujours aimé les responsabilités. Il peut me mettre pivot, demi-centre, arrière-gauche. À
pas beaucoup dans la cage, parce que là je vais être inutile, mais non, j'aime bien, j'aime ce jeu, j'aime ce sport, donc dès que je peux avoir un ballon, je vais essayer de faire quelque chose, quoi. Des fois un peu trop, parce que je fais des fois n'importe quoi, mais... Ce soir ça s'est pas vu en tout cas. Ouais, mais moi j'ai donné 3 ballons bêtes quand même, donc... Tout le monde a perdu des ballons ce soir, je crois. La stat à la mi-temps, il y avait 8-2, on a perdu. Ouais. Voilà, ça a pas dû s'arranger. Mais du coup, bon bah voilà, vous êtes en demi-finale. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'espère qu'on fait pas tout ça pour rien et qu'on va pas avoir un super gros encore un demi. Mais bon, s'il faut gagner là, et ben, on essaiera d'aller encore une fois, une troisième fois à Bercy. Ce serait beau, hein. Ça serait beau. De rien. Un dernier mot, Audrey, cette victoire, la dédicace un peu à toutes les joueuses qui ont été laissées ces derniers temps, cette solidarité, à ta famille, à tes amis, un petit mot pour les supporters qui te suivent de près et de loin. Bah, je remercie les supporters parce que sans vous, on n'est rien, faut dire ce qui est, parce que si vous ne nous encouragez pas et que vous ne nous poussez pas derrière, eh ben, on n'avancerait pas, donc on est une équipe, et eh ben, l'équipe, c'est pas que les joueuses sur le terrain, mais c'est aussi le public et les supporters qui sont dans les tribunes, et puis bah, je vous fais un grand merci parce qu'on est une équipe et on est tous une grande famille, et puis voilà.